Et le deuxième jour, il leur dit, bon, c'est pas du tout rigolo, parce que quand même, il y a les pompiers et tout. Non. Et c'est parce que le pompier demandait, mais elle est grosse, parce que c'est une bonne femme qui a un malaise, ou je sais pas. Et puis il faut la sortir par la grande échelle. Et en sortant la civière, le pompier il a demandé au mec au balcon, elle est grosse. Et pleine opération sauvetage. La police, tout. Le porteur sans glacière, mais il revient. Opération sauvetage. Je sais pas trop ce qui se passe. Et là, il va arriver, putain. Les inconnus. Il va arriver vraiment les inconnus. Il y a quand même du monde. En fait, c'est pas rigolo. C'est parce que... C'est pas rigolo. C'est parce qu'il a demandé si elle était grosse. J'ai dit ça, tata, morte de rire. C'est pour moi que tu dis ça. Il y a un problème. À grande échelle, on est pompiers. Oui, là en direct. C'est pas besoin de voir exactement ce qui se passe parce que c'est pas besoin. Mais c'est quand même. Et le deuxième jour, il leur dit, tu vois, on est bien sûr éternel. Et c'est comme ça, puis c'est tout. Changer d'air et d'air, c'est là. C'est maintenant. Et le deuxième jour, il leur dit, c'est le mercredi, c'est ton dos. C'est le jour des enfants. Tous des enfants du monde. Réaccorder la ville avant la mort, justement, c'est ça le plan. Pour des siècles et des siècles, voilà. Poète.